Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Eritor. J'espère que mes abonnés vont superbement bien et j'espère aussi que ce nouvel an-là commence très bien pour vous tous. Aujourd'hui, j'ai à parler à des Bordelais Koufa. Donc je vous prie de lui partager cette vidéo-là, de partager cette vidéo-là dans tous ses groupes Facebook et WhatsApp parce que j'ai un message à lui transmettre. Voilà, je vais dire beaucoup de choses qui vont plaire ou déplaire à ses fans, mais je vais parler quoi. Voilà, je vais parler. Et si vous me voyez ou bien vous me découvrez pour la première fois, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Certes, je suis occupé par le travail, mais je ferai l'effort d'être le plus constant possible sur l'actualité du showbiz ivoirien. Voilà, donc prenez vos tabourets parce que ça démarre juste après le générique. Voilà. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. It's the Queen, EFA Duisburg. Shadow Prism. Already using it so far a me. Gilda's magic is so far a me. Imelda woman is so far a me. Louisiana, Ella, abus de l'enfant des pays. Bon retour, chers abonnés. Bon retour. Bien avant qu'on parle à des Bordelais Koufa, bien avant que je m'adresse à des Bordelais Koufa, je vous invite à aller donner de la force à la Reine Yo. Son lien est dans la description. Voilà, je vous ai dit de l'envoyer à 2000 vues. Et depuis l'appel, vous l'avez envoyé à plus de 1400 vues, c'est beaucoup. 1400 personnes qui ont déjà écouté ton œuvre, c'est pas rien. Voilà, donc je vous dis vraiment merci pour cela. Mais c'est pas fini. Voilà, au-delà de sa musique, il faut aussi aller découvrir ses activités parce qu'elle fait dans l'humanisme. Voilà, parce que elle chante pour les enfants, elle chante pour les personnes en difficulté, elle chante pour les défavorisés. Donc allez donner de la force à la Reine Yose. Qui a son livre? Qui a le livre d'Ahmed Balaaki, L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Coran? Sortons de ces interprétations basiques de nos versets coraniques et allons découvrir d'autres aspects de ces versets-là, d'autres secrets de ces versets-là. Je vous invite à la voir. C'est un livre très très riche. C'est un livre d'ouverture d'esprit. C'est un livre qui vous grandira. C'est un livre qui mettra en vous la maîtrise de soi et l'œil ouvert, l'œil profond pour voir certains mystères de la vie. Je vous invite à la voir. C'est un très très grand et puissant livre. Voilà. Il n'est pas volumineux, mais il est très riche. Voilà. Debordoli Koufa. Qu'est-ce que j'ai à dire à Debordoli Koufa ce matin? Je veux commencer cette vidéo-là avec Debordoli Koufa. Oui. Pour que cette journée-là démarre avec Debordoli Koufa. Donc partagez la vidéo. Vous savez, mon aventure avec Debordoli Koufa commence depuis Yopougon. Mon aventure de fan. Vous comprenez un peu? Et depuis lors, je n'ai pas arrêté d'apprécier l'artiste, je n'ai pas arrêté de le suivre, je n'ai pas arrêté de le soutenir. Mon aventure sur les réseaux sociaux avec Debordoli Koufa commence bien avant son concert du 31 mars, je crois, 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus bien de la date. C'est là que beaucoup de personnes m'ont découvert étant fan de Debordoli Koufa. En tout cas, beaucoup d'entre vous se rappellent le combat que j'ai mené ici. Voilà, l'affront que j'ai fait avec l'artiste Fedji Jarafat. Et ses fans. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux combats pour l'artiste de Debordoli Koufa. Vous savez, souvent quand je vous parle de Debordoli Koufa avec dureté, c'est parce que souvent l'artiste même le mérite. Et certains fans hypocrites et ingrats le méritent. Vous comprenez un peu? C'est pas pour le vexer, c'est pas pour vexer ses fans, mais c'est la vérité. J'ai compris un truc ici, en Afrique noire, surtout en Côte d'Ivoire. C'est que quels que soient tes espoirs, quel que soit ce que tu auras fait, ou même ce que tu as pu faire pour quelqu'un, la personne, il suffit d'un petit écart, il suffit d'un petit décalage, il suffit d'un petit manquement, parce que tu es en colère par rapport à une situation, qu'on te colle une étiquette et qu'on te juge. Mais ce n'est même pas de ça que je veux parler. Donc je vous prie de regarder intégralement la vidéo, sinon vous allez vous perdre. Voilà. En fait, je le dis parce que depuis le 12 mars 2019, non, le 12 août 2019, la légende de ce mouvement coupé décalé nous a quittés. Oui. Et ce qui est bizarre, le plus grand rival de cette légende, qui n'est autre que Fedji Jarafat, était Debordoli Koufa. Vous savez pourquoi c'était Debordoli Koufa? C'est parce que Debordoli Koufa était à la hauteur, sans fausse modestie, je le dis haut et fort, était à la hauteur du talent de Fedji Jarafat. Parce que
Pour le comprendre, il faut aller écouter leurs différents featuring. Vous comprenez? Vous comprendrez pourquoi je dis qu'il était largement à la hauteur de Didier Arafat. Didier Arafat était un phénomène. En plus d'être phénomène, il avait du charisme. Moi, je dis toujours que la comparaison entre Debordeaux, Liko Fa et Didier Arafat n'a pas lieu d'être. Parce qu'ils sont tous pétris de talent. Mais Dieu a mis un plus à Didier Arafat. Vous connaissez son plus, c'est quoi? C'est, je dirais, un petit truc que Debordeaux n'avait pas. Voilà, Debordeaux, certes, est charismatique, mais n'atteignait pas le charisme de Didier Arafat. Et le 12 août 2019, il nous quitte. Logiquement, celui qui doit emmener ses autres collègues artistes vivants à vraiment rehausser, à vraiment renouveler ce coupé décalé là, c'est bien Debordeaux Liko Fa. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. On ne sait pas pourquoi, mais moi je pense que je sais pourquoi. De son vivant, Didier Arafat a créé un mythe sur la personne de Debordeaux Liko Fa, parce que par moments, il s'entendait avec Debordeaux Liko Fa et par moments, il ne s'entendait pas avec Debordeaux Liko Fa. Et ce qui est malheureux et ce qui est triste, c'est que ce sont les moments où il ne s'entendait pas avec Debordeaux Liko Fa que ses fans ont gardé en esprit. Mais les bons moments qu'il a partagés avec Debordeaux Liko Fa, beaucoup de ses fans ont déjà oublié ça. C'est aussi la faute à Debordeaux Liko Fa. Voilà, je ne prends pas pour responsable seulement les fans de Didier Arafat ou l'artiste Didier Arafat lui-même. Parce que de la même manière que jadis Didier Arafat dénigrait chose Debordeaux Liko Fa, c'est de cette même manière que par moment dans certaines vidéos et au travers de certains propos, Debordeaux a voulu aussi salir l'image de Didier Arafat. Donc c'est vice versa. Mais si je m'adresse à Debordeaux Liko Fa ce matin, c'est parce que le coupé décalé n'attend que lui. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que Mix n'est pas à la hauteur de son talent, n'est pas fort pour le coupé décalé. Je ne vous dis pas que Serge Beno n'est pas un bosseur. Moi, mes vidéos ne montent pas. Ce n'est pas la télé, ce sont des vidéos. Si vous faites des recherches, vous allez tomber sur les vidéos, vous allez écouter ce que je dis dans les différentes vidéos. Ils sont tous forts, tous pétris de talent, tous sont des bosseurs. Mais il y a un seul parmi eux, après la disparition de Didier Arafat, qui doit juste prendre conscience que, bon, je pense à observer les choses, que ce coupé décalé repose sur moi. Il faut que je me mette au travail. Parce qu'en fait, Debordeaux Liko Fa, je vous informe, n'est pas paresseux. Debordeaux Liko Fa est un artiste que je dirais un peu malin. Mais il exagère un peu dans son côté malin, je vous explique. Debordeaux Liko Fa est un artiste qui peut faire sortir 10 sons en même temps. Chaque mois, il peut faire sortir un son. Mais Debordeaux Liko Fa, comme il est beaucoup business, je vais dire argent, il s'est dit que c'est sa musique qui le nourrit. Qu'il d'abord, il n'est pas arrangeur certifié, qu'il n'a pas un studio de production. Il ne peut pas aller dépenser un son à millions de francs dans un studio et venir le mettre comme ça facilement sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Debordeaux Liko Fa fait sortir un son chaque une année ou bien deux sons chaque une chose une année. C'est mal travaillé, mais c'est sa stratégie à lui. Sinon, Debordeaux Liko Fa a beaucoup de sons. Debordeaux Liko Fa a beaucoup, beaucoup de sons. Il est parti en France. Il a travaillé. Il y a son album qui arrive. Bientôt, vous aurez la date. Mais je pense que même quand tu veux sortir un album, il faut aussi penser à la survie du coupé décalé. Je ne dis pas que la survie du coupé décalé dépend que de Debordeaux Liko Fa, mais je pense qu'elle dépend à moitié de cet artiste-là, mais qui n'en a pas encore conscience. Même les Chinois les plus gamés de Didier Arafat attendent Debordeaux Liko Fa. Ils savent que c'est Debordeaux Liko Fa seul qui peut relever ce coupé décalé-là. Je vous le dis humblement. Donc Debordeaux Liko Fa, si je m'adresse à toi ce matin, c'est pas pour te forcer à chanter. C'est juste pour t'amener à prendre conscience que l'un n'est plus au bavardage. L'un n'est plus au je suis trop talentueux. L'un n'est plus à je suis trop silencieux. C'est ma manière à moi de travailler. On le sait tous. Mais nous te demandons maintenant de changer les choses, de faire bouger les choses. Tu prends de l'âge. Mais essaie au moins, avant de repartir à la retraite, de mettre le coupé décalé à un niveau au moins où on pourra parler que de laisser et vouloir se rattraper tard. La vie ne nous attend pas, le temps ne nous attend pas. Et le temps même ne nous appartient pas. On a besoin de toi, Debordeaux Liko Fa. Il faut venir ajouter un grain de sel dans tous ces efforts que tes collègues consentent depuis. Beno enchaîne des sons, Mix enchaîne des sons, Safarel enchaîne des sons, Ariel Chéné. Mais on nous dit toujours que le coupé décalé, il est mort. Le coupé décalé, il est en train de mourir, qu'il est faible. Et moi, je suis toujours en train de dire que le coupé décalé n'est pas mort. Le coupé décalé est en baisse. Et je pense que toi, Debordeaux Liko Fa,
si tu as le courage de nous enchaîner ne serait-ce que 4 sons à la hauteur de ton talent, je pense que ce coupé décalé là-bas s'est relevé de plus belle. Honnêtement, je sais de quoi je parle. Tu as le talent pour. Même les Chinois reconnaissent que tu as le talent pour. Ce qui les énerve le plus, c'est que où ils t'attendent musicalement, tu fais souvent des directs pour les froisser, pour les diminuer. Ce sont des fans. Tu ne peux pas les connaître eux tous. Tu ne peux même pas les voir. Ils vont toujours là. Ils seront toujours là à t'envoyer des pics, à te clasher, à t'insulter. Si tu veux regarder ça, effectivement, certains auront raison. Parce que ce coupé décalé là finira par mourir. Mais jusque-là, je sais qu'il n'est pas encore mort. Voilà, il peut renaître de ses cendres. Parce qu'il y a encore quelques braises qui sont là. Mix fait son effort. Serge Bello fait son effort. Tous ces artistes coupés décalés font leur effort. On attend que toi. C'est ton plus là seulement qu'on attend. Il faut prendre conscience de cela. C'est pas méchant de te le dire. Voilà. Oui, on reconnaît, c'est toi qu'on attend. On a besoin de toi dans ce coupé décalé là. Voilà. Parce que quand j'écoute tes featuring avec DJ Arafat, je n'en vis pas DJ Arafat. C'est vrai qu'il était le plus aimé de tous les artistes coupés décalés, il était le plus charismatique. Mais ton talent, on ne peut pas te l'arracher des bords de l'Ikoufa. Tu étais aussi fort comme lui. Ils le savent. Mais DJ Arafat, en plus d'être talentueux, était très intelligent, très malin, très pro. Voilà pourquoi il a écrit son nom dans l'histoire de ce coupé décalé là. Et depuis sa disparition, vous n'arrivez pas à vous retrouver. Il faut foncer, il faut bosser, il faut t'engager maintenant. De Bordeaux Likoufa, c'est Eritor qui te parle. S'il y a un minimum de reconnaissance dans ton esprit, dans ta tête, dans ton cœur, tu sais ce que j'ai abattu il y a maintenant 3 ans sur les réseaux sociaux pour toi. Donc je pense que je suis mieux placé pour te demander de sortir nous faire danser maintenant. Il faut sortir les sons que tu as enregistrés là. Ça sert à rien. Parce que toi, ta stratégie, sortir un son quand il cartonne, tu fais la tournée avec ce son-là et tu chantes tes anciens morceaux. C'est bien beau. Mais on ne te demande pas de sortir un son seulement pour tes tournées ou bien seulement pour ta poche. Il faut sortir des sons pour essayer de combler un peu le vide qu'a laissé DJ Arafat. C'est tout ce que moi je te demande. Franchement, on a besoin de toi, de Bordeaux Likoufa. Chers amis, partagez cette vidéo-là, de Bordeaux Likoufa. C'est en toute humilité que je m'adresse à lui ce matin. On est fatigué. Les gens se moquent trop de ce coupé décalé là. Les gens même osent dire que le coupé décalé est mort. Si vous affirmez, vous confirmez que le coupé décalé est mort, c'est que l'artiste Serge Bello n'existe plus. Il chante pour la mairie. Mix n'existe plus. Il chante pour la mairie. De Bordeaux lui-même, à qui je suis en train de parler ce matin, chante pour la mairie. Je vous dis et j'insiste, le coupé décalé n'est pas encore mort. Le coupé décalé a les ressources nécessaires pour se relancer. Et avec pour leader, avec pour meneur de troupes de Bordeaux Likoufa, c'est Eritor qui a dit ça. Voilà. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. De Bordeaux Likoufa, on a besoin de toi maintenant. Janvier a commencé. Nous sommes le 12 aujourd'hui. On a besoin de toi. Sors et fais-nous danser. Voilà. Merci encore et puis donnez vos avis en commentaire.